Les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Azoupé ont tenu le traditionnel festival de louanges et d'actions de grâce dans la nuit du 31 décembre 2023 à l'aube du 1er janvier 2024. Tenu à Azoupé sur le terrain du collège Gaïja, ce sont 514 frères qui ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Les frères venus de divers points de la région de la Mé n'ont pas voulu manquer cette traversée de l'année 2023 à 2024 dans la présence du Seigneur. Conduits par les semeurs, les ministres de la louange ont assuré à juste titre la louange tout le long de cette nuit. Frères se sont tenus dans la présence du Seigneur pour lui rendre grâce pour ses grands bienfaits au cours de l'année précédente et pour lui consacrer l'année 2024. Une nouvelle année où le Seigneur invite toute l'Église à demeurer dans l'amour, dans la communion fraternelle, facteur de croissance spirituelle. La Bible dit que l'œuvre est comme le corps humain. Chaque partie est liée. Donc, il y a une relation entre les membres. Tu peux quitter de la tête jusqu'au pied en passant par les fils, par les nerfs, par les ceci. De cette même manière, les frères, les membres du corps de Christ sont liés entre eux. Donc, fais tout, frère, pour protéger la relation. Pour obéir à ce message du Seigneur, plusieurs saints ont fait des dons de plus de 250 livres chrétiens écrits par le professeur Zacharias Tani Fomo. À l'issue d'un message évangélique, 5 personnes ont répondu à l'appel du Seigneur en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est minuit, des cris de joie, des chants d'allégresse au ciel, la louange bat son plein, aucun saint ne pouvait s'empêcher de manifester sa joie, car le Seigneur a fait beaucoup de grandes choses en 2023. Plus de 50 frères ont témoigné des grands bienfaits du Seigneur dans leur vie au cours de l'année 2023. On enregistre à cet effet des témoignages de guérison, de protection et de grandes bénédictions. Pour clôturer cette rencontre, le pasteur Waouloa Bertin, missionnaire d'Azopé, n'a pas manqué de conduire les saints dans une brève prière de combat spirituel suivie de proclamations de grandes bénédictions sur le peuple de Dieu.